Merci beaucoup d'être venu donc à cette première séance du cycle sur le documentaire. Ça doit être la cinquième année ou la quatrième qu'on fait ça, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Quatrième. Donc je vous rappelle le principe. On projette un film et nous avons un invité qui est un artiste qui n'est pas toujours, loin s'en faut, un cinéaste documentaire. On projette un film documentaire assez souvent et on laisse cette personne dériver lentement vers elle-même en partant de quelque chose d'autre, mais lentement. Donc on éclaire au passage les questions du documentaire et de l'art documentaire, de la réalité, de tout un tas de choses. Et donc ça peut avoir pour nous autres qui défendons le documentaire un intérêt immense. Alors aujourd'hui, nous avons Jérôme Bell, un invité de marque, qui est chorégraphe et danseur, ou danseur et chorégraphe, et qui depuis une trentaine d'années travaille, pardonnez-moi les simplifications, travaille en dépouillant le mouvement des corps de tout ce qui est décoratif, accessoire, anecdotique, je ne sais pas si c'est une bonne façon de présenter, mais ça me permet de dire qu'il y a un lien entre cette passion pour le mouvement des corps et pour les gestes. Il y a un lien avec le documentaire, parce que le documentaire ayant choisi d'être finalement de suivre des narrations assez faibles par la force des choses, puisqu'il s'intéresse au présent et à la présence, eh bien, le documentaire, lui aussi, est très attiré par la chorégraphie, par les gestes, qu'ils soient stéréotypés ou non, qu'ils soient volontaires ou non. Et il y a, dans le cinéma documentaire, une grande passion pour les attitudes, les postures, les gestes, les dispositifs corporels, et pas seulement pour la parole. C'est d'ailleurs une question qui n'intéresse pas seulement le cinéma documentaire, mais qui est aussi très anthropologique, parce que l'anthropologie, elle aussi, est intéressée par une chorégraphie sociale, celle des attitudes, celle des gestes, celle des mouvements, et pas seulement dans l'univers du rituel, qui a été merveilleusement décrit par le film fondateur de Jean Rouch, Les Maîtres Fous, dans lequel il suit précisément la chorégraphie des gestes. Mais ce n'est pas seulement dans le cinéma ethnographique, c'est aussi dans une anthropologie générale qu'on s'intéresse beaucoup au non-verbal, au sensoriel et à l'occupation dans un espace donné, construit, pensé, mis en forme, qu'on s'intéresse à la position des gens, aux actes qu'ils accomplissent. Et donc, grâce à Jérôme Bell, nous allons pouvoir envisager toutes ces questions dans une certaine unité. Alors, on passe le scénario du film Passion pour commencer, et nous verrons où cela nous conduit. Merci beaucoup. Le cahier à la fin pour les étudiants. Juste quelques mots pendant que Jérôme Bell s'installe. Je voulais préciser que ce film a été mis à disposition et dans les collections du Centre Pompidou, collection Nouveau Média, dirigée par Marcella Lista. Et je salue Anaïs Brive qui s'occupe de la logistique des collections qui est dans cette salle, pour le film, mais aussi, je crois, pour Jérôme Bell. Mais en tout cas, voilà, on les remercie beaucoup d'avoir mis le film à notre disposition. Et juste, très trivialement, mais ce n'est pas du tout accusatoire, mais vous avez vu que les contrôles sont renforcés. Donc l'entrée dans le Centre Pompidou est plus longue. Donc pour les prochaines séances, essayez de prendre un petit peu d'anticiper votre venue
pour profiter du film. Voilà. Et puis donc, je ne reviens pas sur ce que Stéphane a dit, si ce n'est que c'est aussi un cadre. Voilà. Donc Jérôme Bell va développer à partir du film, comme il l'a dit, comme l'a dit Stéphane, pour dériver vers lui-même et son propre travail. Et, mais aussi, on est là pour voilà, qu'il y ait un échange. Jérôme. Oui. C'est à vous. Il faut parler. Si vous le souhaitez. Oui, vraiment. je suis tout seul là, comme ça. Et vous me parlez comme ça ? Non, mais ensuite... Ah, mais c'est à moi à commencer ? Bon. Oui. Ah oui, non, parce que vous allez devoir me poser des questions, parce que... Je peux poser la première question, qui non, est... Non, je voudrais juste dire oui. Que j'aurais pas dû choisir ce film. Parce qu'il est tellement extraordinaire que de dire des choses sur lui me semble... Tellement. Donc moi c'était une grande grande joie de le revoir. C'est une chose qui m'a en fait quand j'ai toujours vu sur mon ordinateur tout seul parce qu'on s'est échangé comme ça le fichier. Là, de le voir en salle, comme toujours, comme toujours, quand il y a d'autres personnes qui écoutent une chose que vous avez l'habitude d'écouter tout seul, ça prend l'action du film, la force du film est démultipliée. Et, voilà, donc merci les amis de m'avoir produit cet effet. Voilà, je ne sais pas, on va essayer de parler, mais... Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Pas de problème. Moi, je suis très, 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 très bouleversé par le film qui me fait chialer. Bon, je l'adore. Je l'adore plus que tout. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je peux dire que, évidemment, c'est un documentaire par un artiste sur son propre film. Donc c'est pas quelqu'un d'extérieur qui fait un documentaire, comme on a l'habitude de ce format du documentaire sur l'artiste. Donc il y a une opération artistique géniale, et d'ailleurs il le problématise ensuite, il dit documentaire, fiction, etc. Donc il y a des grands thèmes de Godard. Mais évidemment, moi, ça me passionne, parce que il parle de la création, moi j'essaie de créer des trucs, et c'est très rare de voir quelqu'un être aussi... voilà, il est tellement conscient de ce qui se passe, quoi. Ça, c'est, et qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène, sinon d'être conscient de tout ce qui se passe dans, ou sur une scène de théâtre, ou sur dans un cadre, dans une image. Et on voit que lui, c'est... Et donc, moi, je jouis encore plus je trouve ça encore mieux que le film, par exemple. Je trouve ça encore mieux que Passion, que j'adore, évidemment. Mais là, de comprendre comment il fait Passion est encore plus fou. Quoi. C'est vraiment extravagant, quoi, ce qu'il raconte, comment il passe d'une chose à l'autre... Et toutes ces œuvres un peu parallèles à ce qu'il doit faire, c'est-à-dire des longs métrages qui doivent être projetés qui doivent avoir une économie commerciale. Finalement, toutes ces choses qu'il a beaucoup pratiquées, lui, sont pour moi quand même les plus passionnantes. Tous ces trucs qu'il fait, enfin, on le voit là, il le fait tout seul chez lui, il n'a pas besoin de producteur, j'imagine, je ne vais pas dire des bêtises, mais. Et donc dans une liberté absolue et en se foutant de à qui ça s'adresse, quoi, je crois. Et là, ça s'adresse à nous et c'est super. Et merci le musée d'art moderne. C'est ça, un musée, c'est de garder des choses importantes, même si personne s'y intéresse. Et sur le temps, voilà, elle peut
être vu par plein de monde, quoi. C'est ça le musée. Et c'est une œuvre d'art, et je pense que Godard est sans doute l'artiste le plus important du XXe siècle. Bref, je vais dire des conneries encore, donc dites-moi ce que vous voulez que je vous dise, parce que je suis très, très, très émerveillé. Émerveillé, vraiment. Il y a une identification. Je cherche. Si je suis très très touché, c'est parce que je fais le même travail que lui et qu'il est, il est rarement aussi mis à nu, aussi malignement raconté. Donc c'est sûr que je me prends pour lui, mais j'arrive pas à la cheville de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que ça me déprime un peu de parler là. Mais sans lui, il y aurait plein de choses que j'aurais pas pu faire. Plein de choses, comme les documentaires, par exemple, les pièces documentaires ou les pièces autoréflexives. Hein, là, c'est l'autoréflexion sur le cinéma. Et moi, j'ai beaucoup utilisé ça. J'ai beaucoup travaillé sur le... Qu'est-ce que c'est que la danse ? Plutôt que de dire, ah oui, on va dire quelque chose avec la danse. Non, non. Ah, regardez, qu'est-ce que c'est que la danse ? Regardons, et qu'il y a des potentiels narratifs... qui était insoupçonné. C'était d'ailleurs une des opérations qui a fait que mon travail a été remarqué. Personne ne s'occupait de ce que c'était que la danse. Et moi, j'ai retourné l'objectif vers la pratique. Et c'est ce qu'il lui fait continuellement. Là, il y a cette chose très belle sur les... Oui, il critique son médium, ça aussi c'est une chose qui a été très influencée pour moi, et là on le voit, j'avais oublié quand il écrit sur la page blanche « Longtemps je me suis couché de bonheur », donc Proust, donc La recherche du temps perdu, qui elle-même est un roman sur comment devenir écrivain, et ensuite le Rimbaud, qui est aussi la question de qu'est-ce que c'est que les lettres, les voyelles. Voilà, ça c'est une ça m'a toujours passionné et même ça me bouleverse à chaque fois ça je sais pas pourquoi je suis si ému par ça, mais de raconter comment se fait le cinéma, ouais, de raconter ça m'obsède, et moi de raconter comment se fait la danse, comment se fait le théâtre, comment les gens travaillent et que c'est peut-être ça la métaphore et le réel. C'est-à-dire qu'en s'interrogeant sur le réel de la pratique, alors qu'on doit a priori faire des fictions, raconter d'autres choses en oubliant la technique, de nouer les deux, c'est ce qu'il dit à la fin, là, qui est magnifique, que j'avais oublié. Faire du cinéma, c'est parler du monde en entier, quoi. Et en plus, il connaît bien son sujet. Donc, il est légitime. Et voilà, c'est des choses que j'ai empruntées, plus que j'ai carrément volées, pillées. Comme un Godard appliqué, quoi, appliqué à la danse. Cinéma, sa relation avec le cinéma, c'est... Une partie de mon travail, c'est le... Voilà, donc ça, c'est super. Je l'avais pas vu depuis qu'il était mort aussi, le film, donc ça fait un effet aussi bizarre. J'ai repensé à sa mort. Je sais pas si vous avez su, mais ça a été très important pour moi d'apprendre par l'article de Guardian qu'il avait... Il avait mis fin à ses jours, il s'était euthanasié, quoi. Et qu'il avait voulu que ça se sache. Et pour moi, c'est le geste ultime de la mise en scène. Hein, aller jusqu'à maîtriser sa propre mort. Voilà, donc là, il y a ces films qui sont là et qui vont survivre. Est-ce que je peux tenter un rapprochement sur ce que vous avez dit aussi sur le voilà de pousser un petit peu jusqu'à ses limites son art et peut-être
pour vous avez peut-être, comme Godard a pu entendre, c'est pas du cinéma, ou alors Monsieur Godard, quand est-ce que vous referez un vrai film? Et vous avez souvent entendu, mais est-ce que c'est de la danse? Mais ce n'est pas de la danse. Est-ce que pouvez nous parler justement un petit peu de ce mouvement un peu contradictoire, contestataire de son propre art? Oui, non, ça c'est sans ces artistes-là, sans d'autres comme John Cage ou Marcel Duchamp ou tous ces gens à qui on a dit ou Nijinsky en leur disant ou Stravinsky en leur disant c'est pas de la musique, John Cage aussi. Alors lui en lui disant, enfin moi en tant que jeune homme, je crois que j'ai commencé à voir ça vers 17-18 ans. Voyant que c'était plus que du cinéma justement, et que quand on lisait l'histoire et qu'on disait qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la critique. Là, j'ai aussi écouté dernièrement une émission assez glaçante sur France Inter qui raconte comment il a été perçu par le Masque et la Plume, qui est cette émission de critique. Quand les critiques parlent de son travail à l'époque, puisqu'ils le voient au moment où il sort, ça c'est assez édifiant de voir comment une œuvre, comment la connerie infinie des gens, quoi, de la critique spécialement, voilà, c'est ça. Mais donc ça c'est toujours en tout cas, pour moi, ça a été très important, tous ces artistes qui ont provoqué des scandales, où on a dit c'est pas de la danse, et où c'est pas de la musique, du théâtre ou de la peinture. Ça a toujours été... comme c'était l'art que j'aimais, je me suis totalement identifié à ce type d'artiste. Et quand les gens m'ont dit « mais c'est pas de la danse, c'est nul, bouh », je dis « ah, alors, j'étais content de moi, quoi ». Parce que je voyais bien que c'était ça que... Effectivement, enfin, je m'y attendais. Et c'était normal, parce que c'était... C'était mettre à sac, mettre à sac ce qu'on croit, ce qu'on a décidé qui était le cinéma, et de le pousser dans ses retranchements. Il le dit là encore, il dit je cherche, mais comme Picasso, je dois trouver. Picasso a dit je ne cherche pas, je trouve. L'idée de ce type d'artiste comme Godard et d'autres, c'est... il parle de Chantal Akerman aussi, un moment. Il cite Chantal Akerman et d'autres. Là, il y a une petite liste de cinéastes. Une figure qui défend la recherche et l'expérimentation. Et ça, sans ces figures en tant que jeune artiste, si on n'a pas ces figures, on peut même pas imaginer qu'elles existent. Et moi, ça a été un moyen de me structurer, parce que c'était leur art qui m'intéressait, et donc je pouvais y aller. C'est-à-dire que ce type d'artiste vous ouvre, vous propose une manière de pratiquer l'art. En disant, vous n'en avez rien à foutre, faites ce que vous voulez, cassez tout si vous voulez, et critiquez, et mettez-vous tout le monde à dos, et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que l'art est plus important que... Oui, que la réception habituellement assez bourgeoise de... Voilà, le milieu, quoi, le moyen... Or, non, il y a des choses tout à fait singulières, comme ce qu'on vient de voir là, qui ressemble à rien, et qui, à mon avis, est absolument prodigieux. Donc c'est très important. Très important. Donc, je me suis autorisé plein de choses. Voilà, ça. Autorisé à faire plein de choses. Ah. Génial. J'adore aussi quand il embrasse l'image. Moi aussi, je voudrais l'embrasser comme ça, mais lui faire une bise, ça
C'est très beau. Non, mais puis en plus aussi, là, dans ce film particulièrement, une chose qui m'intéresse évidemment par-dessus tout, c'est l'économie de moyens, quoi. Ça me rend dingue, quoi. Que ce soit juste le studio, lui, devant son écran. Et... Voilà, ça, c'est des esthétiques. Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais réussi à faire être aussi riche au théâtre, parce que le théâtre n'est pas cet art du montage. Et donc, je suis jamais arrivé à ça. Débrouille différemment. Je sais pas très bien ce que je fais, en fait, d'équivalent, mais... Non, bah, heureusement, finalement, là, en regardant le film, je me suis dit, heureusement, finalement, que j'ai pas choisi le cinéma. Est-ce que j'aurais trop voulu être ça? Et comme en étant dans la danse, j'ai appliqué le... j'ai obtenu des choses inattendues, je dirais. En l'occurrence, le documentaire sur la danse, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autoréflexivité. Comme sujet. Voilà. Je voulais vous poser une question justement par rapport à ce film qui est en même temps presque un mode d'emploi de la chose à faire. Alors il commence par dire que il faut pas écrire mais il faut voir, qu'il se défend d'écrire, c'est-à-dire qu'il se défend de conclure avant d'avoir fait et avant d'avoir fini. Bon, ça c'est important. Et puis, en disant qu'il faut voir, il dit qu'il accueille ce qui va arriver, et puis il va mettre les morceaux les uns à côté des autres, et puis petit à petit, quelque chose se passe. Bon, c'est presque la recette de ce qu'on appelle le cinéma documentaire, enfin de celui qu'on aime, hein, à ne pas confondre avec le reportage télévisuel, mais du documentaire. Et je me souviens d'une très belle formule de John Coltrane qui dit « Je commence là où je suis et je vais le plus loin possible ». Et c'est un peu la formule de ce film. Hein. Au début, il y a deux briques, trois briques, et puis ensuite, ça se construit. C'est un peu la formule du cinéma documentaire. Est-ce que ce n'est pas un peu la formule de la chorégraphie ? Parce que la chorégraphie... C'est un truc très particulier qui est ce qui se passe des mots le plus fortement. Hein, dans l'idée de mettre de la vie sans le verbe, c'est peut-être la chorégraphie qui y parvient le mieux. Alors, est-ce qu'on n'est pas là dans... Est-ce que ce n'est pas aussi la recette du film ? Moi, en tout cas, la recette, c'est vraiment de la pratique de ce qu'on appelle la danse moderne ou de la modernité en danse, qui a été de contre le ballet qui était écrit et répété depuis 200 ans. On disait que c'était le même, c'était les mêmes mouvements, parce qu'il y avait un vocabulaire, le vocabulaire du ballet classique, et donc ils pouvaient se le répéter et continuer à danser les mêmes choses. Et la modernité en danse, qui commence avec le cinéma, au début du XXe siècle d'ailleurs, va interroger ça, et il va y avoir, à l'intérieur de l'histoire globale, il va y avoir une ligne qui va essayer ce que vous venez de formuler, c'est-à-dire... on ne sait pas ce qui se passe, on regarde ce qui se passe, on expérimente, et de là va naître quelque chose. On ne sait pas avant ce qu'on veut. Et donc, par exemple, une des pratiques, c'est ce qu'on appelle l'improvisation. En danse, on improvise, on ne sait pas, on peut avoir une idée, mais on ne sait pas ce que le corps va produire. Et ça, c'est une chose très très importante. Et qui est dite là, qui est vraiment, enfin, lui c'est la même chose, il le dit, je sais pas, et malheureusement, enfin, hein, le sous-texte c'est que les producteurs veulent un scénario pour lui donner de l'argent, mais lui, non, je peux pas, je vais pas écrire, vous envoyer un truc avec machine, met du beurre sur sa tartine, ensuite elle, bon, il veut pas ça, parce qu'il veut voir. Et nous c'est un peu pareil. Et. Nous, comme on a, en plus on n'a pas les mots,
de manière assez schématique, parce qu'on peut utiliser les mots, mais on a ce même problème. Et par contre, on nous laisse, moi, en tout cas, on m'a laissé, j'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit. J'ai pas eu besoin d'écrire quoi que ce soit. Et on m'a donné de l'argent pour faire ce que je voulais. Parce que ma pratique, c'est pas les mots, ils attendent pas les mots, ils attendent pas le scénario. Et aussi, ça a été possible parce qu'il y a des prédécesseurs qui ont défendu toute une manière de travailler, de dire non, on ne sait pas ce qui va se passer. Quoi. Et ça, c'est super. Et là, c'est magistralement exprimé, mais dans le cinéma. Ah, tout à fait. Et on voit, on perçoit bien que Godard aussi se met en plein milieu de situations paradoxales. Hein. C'est aussi quelque chose qui... Enfin, en tout cas, de situations de tension, puisqu'on voit très bien qu'il y a cette contestation du langage ou son dernier... avant-dernier film, s'appelle Adieu au langage. Donc, voilà, il y a une sorte de contestation du logos, on pourrait dire. Mmh. Et puis, en même temps, bon, dans... Non, ça, c'est bizarre, quand même. Ça, c'est bizarre, parce qu'il dit, je veux pas écrire, mais il parle, je vois, alors qu'il parle merveilleusement. Donc là, on se dit, si tu veux voir, tu la fermes. Alors qu'il est capable de évidemment. Donc ça, c'est très bizarre dans le film, j'ai trouvé tout à l'heure. Mais... excusez-moi, je vous interromps. Oui, enfin, ça fait partie des tensions formidables du film, puisque c'est une contestation du langage, passant par le langage. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé de la conscience du metteur, que le metteur en scène est celui qui est conscient. Et en même temps, et là aussi, on voit bien que Godard est très conscient, et on voit bien qu'il cherche une sorte, l'inspiration, qui n'est pas forcément la conscience, et peut-être on va pas passer notre temps à faire des comparaisons avec la chorégraphie, mais voilà, et comment je pense que vous aussi vous travaillez un petit peu dans cette contestation du logos, et certainement d'en passer peut-être quand non même, non moi je serais pas dans la contestation du logos, parce que j'utilise beaucoup la parole dans les spectacles. Depuis quelques années, je ne peux plus m'en passer parce que ça ne me suffit pas d'être... ou je n'arrive pas à être que dans le mouvement. Mais c'est ça qui est... On sent très, très fortement cette contradiction-là. Voir alors qu'il parle très, très bien, il est capable de faire des images magnifiques, des plans extraordinaires, le plan avec Anna Chigoula... et Michel Piccoli, les deux voitures qui se... Bon, voilà. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de... Peut-être je me trompe. J'ai tellement l'impression qu'on parle de lui comme justement quelque chose de cérébral et de... d'une immense articulation, mais quand même, les plans sont à tomber par terre, quoi. Enfin, à chaque fois, j'oublie qu'ils sont aussi magnifiques et sophistiqués, en fait. Moi, j'ai rajouté la parole dans les spectacles, beaucoup en faisant le premier spectacle qui était un peu l'équivalent de celui-là, qui était... un documentaire, parce que c'était un documentaire, donc ça c'est aussi une chose que j'ai faite, c'était des documentaires sur la danse, un documentaire sur une danseuse à l'Opéra de Paris qui parle et qui explique son travail. Donc ça aussi, la question de travail, je trouve ça hyper bien. Donc la danseuse qui est soi-disant un être de fiction, une métaphore comme ça, elle joue des signes, tout son répertoire, et tout d'un coup, elle disait au public de l'Opéra de Paris, voilà, moi j'ai deux enfants, alors qu'elle joue toujours des jeunes femmes, elle avait 42 ans, elle partait à la retraite, combien d'argent elle gagnait, et donc ça c'était l'idée du documentaire, et je pouvais le faire qu'avec le texte. Et ça, c'était la boîte de Pandore. Quoi. Quand elle n'avait jamais parlé sur scène et moi, j'avais jamais dirigé quelqu'un, mais tout le monde a entendu. Même les gens qui n'étaient pas contents d'entendre ça. Mais au moins,
Voilà, c'est-à-dire que moi, je me retrouve dans la, peut-être dans la même situation entre son et image. Finalement, j'ai pas pensé. Hein, là, je viens de le. Ça me suffit pas l'image. Ça me suffit pas la danse. Je j'arrive pas à être totalement éloquent. Donc maintenant, je mélange les deux pour la simple et bonne raison que je me suis aperçu que le rapport à l'image ou au mouvement était un rapport sensible, et le rapport au langage était un rapport intelligible, et que c'était notre manière à tous, être humains, de percevoir le réel, et que donc si on en prenait un plus que l'autre, ou seulement un, c'était pas suffisant. En tout cas, si j'utilisais les deux, au moins personne ne pouvait échapper à ce qui était dit et montré. Voilà. Donc, je sais pas si je le tire de monsieur. Parce qu'il y a toute une période où moi, j'étais pas très conscient de l'influence de Godard. C'est après que j'ai compris que ça avait été très déterminant. Et s'il y en a un qui a eu une influence, ou une, c'est lui. Donc la danse, elle, grâce au cinéma, grâce à la littérature, alors, il faut dire une chose peut-être, c'est que moi je me sens un peu à l'étroit dans la danse, son histoire n'est pas suffisante, il n'y a pas assez d'artistes intéressants. Donc j'ai dû chercher, ma curiosité a fait que j'ai dû chercher ailleurs dans les autres arts, de manière, mais surtout parce que je pense que si tu es peintre, il y a quand même beaucoup à voir, alors qu'en danse, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on a tout perdu, puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement, donc c'est la catastrophe. Donc j'ai dû, pour occuper ma curiosité, regarder des films, lire des livres et aller dans des musées. Et donc je me suis servi de ça, et c'est pour ça peut-être que des gens ont dit c'est pas de la danse. Oui, c'est vrai. C'était pas que... Moi j'aurais bien aimé qu'ils disent c'est pas que de la danse, par exemple. Bon, là je fais un peu. Oui, alors là j'aurais dit oui. Mais le sujet vient de la danse, comme là le sujet vient du cinéma. C'est ça que je trouve ça super. C'est-à-dire qu'il peut péter tout parce qu'en fait il ne parle. Parce qu'il est. L'encre c'est le cinéma, on ne voit que ça. Il ne parle que de cinéma. Et à partir de ça. Et moi j'aime. Une des choses qu'il a dit qui me semble aussi. Qui apparaît dans le film, c'est ce que je dis toujours maintenant quand j'ai quelque chose à dire sur l'art, c'est une fois il a dit l'art c'est rapprocher les choses les plus éloignées. Et là on n'arrête pas de le voir, l'usine, le cinéma, les figurants, les prolétaires, Isabelle. Isabelle qui bégaye quand même, Isabelle Huppert, et qui demande de bégayer. Une actrice, si vous voulez, son job, c'est de bien parler. C'est même ça qu'on lui demande au début. Et il lui demande de bégayer. Il donne une autre explication d'ailleurs, mais. Ah oui, qu'elle doit avoir deux langues. Hein, parce que. Et le Jerzy, c'est Jerzy Skolinowski ? Ah, c'est ça. C'est Jerzy qui ? Mais non, c'est un acteur. Non, c'est un metteur en scène. Ouais. C'est Skolinowski ou pas ? Parce que tout d'un coup, je me suis rappelé que le. Oui, c'est ça. Comment ? Radzilovitch, non ? Ah, c'est peut-être ça. Si, c'est peut-être ça. C'est un comédien qui a joué dans les films de Vajda. Ah, c'est ça. L'homme de fer, l'homme de barre. Ouais. Ok. Et il n'est pas metteur en scène ? Ah, c'est ouais, moi c'est qui. Alors que... j'ai projeté parce qu'à un moment il dit tu seras pas acteur, tu seras metteur en scène. Oui c'est ça. Ok bon, je passe de l'association d'esprit. Hein, donc là on voit super bien comment ça marche. Il fait que ça. Il libère son inconscient comme ça
et il passe d'un mot à l'autre et ça lui produit des images et des idées. Et il le montre, et ça, c'est assez, assez bouleversant, je trouve. Ouais. Moi, je ne fais pas comme ça. Je suis beaucoup plus scolaire. Mais parce que je n'ai pas, les ressources. Je ne peux pas couper, je ne peux pas passer d'un espace à l'autre dans le théâtre. Oui. Je suis dans la Ah ouais. J'allais parler du montage. Ouais, le montage, ouais. Moi, je peux pas. Vous étiez en train de dire quelque chose de très juste. Vous disiez, vous rappeliez Godard qui dit « L'art, c'est rapprocher des choses éloignées. Ouais. » Et rapprocher des choses éloignées, c'est ce qu'on appelle le montage. Et il y a la belle formule de Robert Bresson qui disait « Le montage, c'est associer des choses qui n'étaient pas destinées à l'être. » Ah bon ? Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est une formule qui est très belle ouais. et très simple. Et je pense que quand on parle de la défiance vis-à-vis du langage, c'est pas qu'il veut qu'on se taise, c'est pas qu'il veuille le silence, c'est qu'il préfère justement que le langage soit utilisé par le biais du montage. Et d'ailleurs, on le voit dans sa façon de parler, il associe toujours la chèvre et le chou, il passe du coq à l'âne, parfois ça marche, parfois ça marche moins bien, mais bref, il veut penser en images, c'est-à-dire associer le verbe comme on associe les images. On en met une à côté de l'autre, il se passe quelque chose, on en met une troisième, et ainsi de suite, et ça fait un film. Alors la question que Arnaud et moi, et Arnaud sûrement, avait envie de vous poser. Vous dites que vous ne pouvez pas, dans la chorégraphie, couper, mais est-ce que vous pouvez, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, sans le savoir ou en le sachant, vous cherchez à associer des choses qui ne sont pas destinées à l'être, c'est-à-dire à voir ? Non, je crois que je ne fais pas ça. Moi, comme je n'ai pas le montage, je dois, à cause du théâtre, à cause du fait que je ne peux pas tout changer en cut comme ça, je dois au contraire... mon choix, c'est de lier, d'avancer, malheureusement, avec le pauvre moyen que j'ai. Il faut qu'on... Ce qui est la question de la dramaturgie, c'est comment on part d'un endroit qui est le début du spectacle et qu'on va amener ailleurs, très loin, le plus loin possible, avec des moyens très très limités, qui sont les moyens d'avant le cinéma, l'image enregistrée et le montage. Non, ça je peux pas faire ça. Je suis fasciné par les metteurs en scène et metteuses en scène qui arrivent à faire ça, comme par exemple Franck Castorf, qui lui n'arrête pas de casser dans ses spectacles. Et j'ai très vite vu que c'était le Godardien du théâtre, le Godard du théâtre qui arrivait. Mais il utilise aussi des films sur scène. Mais il arrive à casser parce qu'il a des moyens énormes. Il a des moyens, il vient de l'Allemagne. Et en Allemagne, il y a une puissance économico-culturelle du théâtre où ils peuvent... j'ai vu des actrices changer toutes les deux minutes de perruque. Sur un spectacle de 5 heures. Tac, elle parle, il y a 5 personnes qui... Donc ça, c'est presque le montage et cette capacité du cinéma. Moi, non, parce que j'ai un petit problème avec le minimalisme. Il y a un goût. Et donc, je suis enfermé. Et le montage... pourtant, c'est... Le montage, j'arrive pas... Là, je suis en train de réfléchir avec dramaturgie. Moi, le mot... J'utilise jamais montage, j'utilise le mot dramaturgie. Construire le sens. Construire le sens avec le peu d'éléments que j'ai. C'est-à-dire un peu de lumière, un mouvement, de la musique.
Ça, c'est la pauvreté, quoi. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bah, si, quand même, peut-être quand même le montage principal que j'ai fait, c'est l'alternance du langage et de la et du mouvement. Comme j'ai pas assez confiance dans le mouvement, je dois ensuite, comme il fait, d'une certaine manière, comme il fait dans cette chose-là, c'est-à-dire que je montre le film serait la danse, et ensuite il y a l'explication de la danse. C'est ce que je fais, par exemple. Donc ça vient de là, le commentaire de l'auteur ou le commentaire de l'interprète qui dit, alors elle fait quelque chose, et puis ensuite elle dit, bah voilà, ça pour moi, ça signifie ça, ou ça vient de là, ou on m'en parlait comme ça. Et ça permet, moi, ça me passionne évidemment de comprendre, et ça enrichit, ça épaissit le sens, quoi. Et donc, ça crée une densité, mais c'est sans doute parce que j'ai pas assez confiance dans la danse. Et que toute cette, surtout, non, mais. Autour de l'éléphant dans la pièce, c'est la partie analytique. Je filme en analysant le cinéma. Et moi, je fais danser les gens en analysant la danse. Bon, merci tout le monde. Non, voilà, enfin, voilà, ça me semble... C'est ça que j'adore. C'est ça que... d'avoir une réflexion et pas seulement à... Et c'est ça aussi les deux choses les plus éloignées, je pense, d'arriver à les mettre, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, des plans extraordinairement construits et l'explication du plan. Cette jeune femme avec des fleurs, parce que c'est ça d'où ça part. On voit Anna Chigoula courant dans la neige, poursuivie par Michel Piccoli et lui balançant le... ouais... Ça, c'est quand même enrichissant, quoi. Mais qui passe quand même dans le film par un dispositif très chorégraphique. Si, ah ouais. De cet écran lumineux. Ah ouais, ça, il adore ça, ouais. Et de, ouais. Et de Godard, corps athlétique aussi. Hein, c'était un athlète hein, qui a joué au tennis jusqu'à je ne sais quel âge. Voilà, c'est-à-dire qu'il joint quand même une chorégraphie à la pensée. Il y a quelque chose de... Oui, il y a toujours ces scènes de bordel, en fait, hein, qui lui plaisent beaucoup, où tout le monde s'agite. Souvent, c'est plus... Là, on en a vu une avec Jean-François Stévenin. Plein de choses qui se passent ensemble, quoi, qui font une espèce de monde burlesque. Je pense que ça vient du plaisir. Ça fait penser aux Marx Brothers, quoi. Vraiment, enfin, il me semble que c'est là le... une joie de cette enfance du cinéma purement cinétique. Hein. Il se passe des choses dans le plan. Ça marche toujours, on sait que ça marche. Ça excite les... Ça, c'est de la chorégraphie, effectivement. Il y a des chorégraphes qui savent très bien faire ça. Et le meilleur, là, je pense à William Forsythe, par exemple, qui arrive à faire bouger dans tous les sens sur une scène... Ouais. La physicalité des acteurs, elle est toujours... elle est toujours là. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils s'en priveraient. Hein. C'est quand même un décor, d'abord. Il se réfère d'ailleurs à Mads Sennett, hein, qui était alors un burlesque très le slapstick, hein, le burlesque violent, un peu hystérique des débuts du cinéma. Mais le cinéma était chorégraphique parce qu'il avait une dramaturgie non verbale. Ouais. Et cinéma muet. C'est ça qui le rend merveilleux. C'est ça qui fait que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que vous aimez. À ce que vous aimez. Enfin, vous dites que vous n'avez pas très confiance dans la danse, ouais. ce qui est très beau de dire ça de votre part. Et en même temps,
finalement, quand le cinéma commence, quand la danse commence, ça n'est qu'une seule et même chose. Ouais. Ah ouais, absolument. Là, là, on vient de faire une pièce au Louvre qui s'appelle Danse non humaine, et on a remonté Loïe Fuller. Loïe Fuller, une actrice américaine qui, par hasard, découvre un processus chorégraphique lors d'un spectacle. Et va le. Hein, c'est cette grande robe blanche avec des tiges comme ça qui permettent d'activer tout un imaginaire de floral et animal. Et on l'a remonté à cause des films, parce que les lumières l'ont filmé, tout ça. C'était très. Et le cinéma était très attiré, évidemment, par le mouvement. C'était. Donc tout d'un coup, il y a eu vraiment une rencontre entre la danse et le cinéma au tout début. C'est vrai qu'il en parle pas mal, Godard, de ça. Et on a remonté la danse à partir des films qu'on a trouvés sur YouTube. Il n'y a plus de droits, donc on s'en fout. Et on a remonté... donc qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Ça c'est chouette, mais c'est aussi le manque du cinéma, enfin le manque d'écriture, l'écriture du mouvement qui a fait qu'on est un art tout à fait mineur sur le, oui, mineur parce que presque pas adulte, quoi, qui a pas beaucoup d'expérience. Mais là tout va changer avec le tout a changé avec le film, même. En venant, j'ai pensé que j'aurais pu montrer aussi le film de Chantal Akerman sur Pina Bausch, qui est un des films que j'adore. Ça aurait été plus chorégraphie et au cinéma. mais non, je tenais vraiment à ça. Qui, elle, a filmé de manière exemplaire, contrairement à Wenders, par exemple, qui a filmé comme un sagouin le travail de Pina. Donc, on voit des gens qui ne comprennent absolument rien. Et en faisant des recherches, j'ai appris qu'on avait proposé à Pina plusieurs... c'était une production de télé, plusieurs réalisateurs et réalisatrices, et c'est elle qui a choisi Akerman. Et qui a fait un film prodigieux, parce qu'elle a fait un film... où elle laisse le temps du théâtre. Bon. On peut comprendre que Pina ait aussi choisi Akerman, vu la question du temps et la question de... Bon, si vous voulez, chez Godard, quand on revient au montage, c'est pour ça, peut-être que c'est pour ça qu'il m'intéresse, c'est parce qu'il est à l'opposé de ce que je peux faire, moi, avec mon seul cadre et aucune interruption et pratiquement pas de changement possible. Et donc, une histoire linéaire, comme ça. Peut-être ce sentiment de cette incroyable rapidité, virtuosité du montage me fascine, à l'inverse de ma... de la limite de mes moyens. Voilà, c'est ça. Alors après, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il monte en direct. Enfin, en tout cas, il y a tous les fondus, etc. Ils adviennent comme un réalisateur de télé qui fait des manipulations. Donc, il est un peu dans une sorte de théâtre. Une temporalité autre que celle du cinéma. Ouais. Voilà. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions qui, je le rappelle, c'est le but. C'est un séminaire dans lequel tout le monde doit parler. Hein. Ce n'est pas une conférence solennelle. Oubliez le cinéma du Centre Pompidou. Oui. Tout ira bien. Oui. Oh, le plus loin... le plus éloigné qui veut parler, c'est pas mal. Merci. Bonjour.
Vous avez raison, Godard a souvent été résumé à un art cérébral, très cérébral. Alors que moi, ce qui m'a toujours aussi choqué, c'est à quel point il a cette conscience, cette attention aux gestes, au corps. Il a souvent rappelé à quel point c'était la condition de l'homme que de penser avec ses mains, et pas juste de penser, mais de penser avec ses mains, jusqu'à son livre d'images qui fait les 15 premières minutes sur les 5 doigts de la main, etc. Il a souvent insisté là-dessus. Passion insiste beaucoup là-dessus, on vient de le voir. Comment s'appelle ce film ? Sauf qu'il peut la vie. Il y a carrément des ralentis, tellement qu'il insiste comme ça pour voir ce que donnent ces gestes, pour vraiment voir les gestes, quoi. Et voilà, je voulais avoir votre ressenti là-dessus, sur la notion de geste, de corps, qui vous concerne. C'est vrai que c'est ce qu'on vient d'arriver à articuler là, et vous confirmez ça, c'est-à-dire qu'on oublie ça, c'est-à-dire que pourquoi ce qu'on perçoit de lui et tous les gens qui l'aiment pas comme une chose intellectuelle. Souvent, c'est un intellectuel. Et donc, ils n'aiment pas ça, parce que l'intellectuel n'est pas aimé par la majorité. Et or, c'est vrai que si on regarde de plus près, on voit ce corps des acteurs sans cesse dans des activités, quoi. Des activités. Et là, je repense à la voiture avec les ouvrières qui empêchent la voiture de rentrer. Enfin, c'est Maxénète, quoi. C'est vraiment du cinéma muet. Voilà, mais je pense que c'est encore une mauvaise appréciation du public. On parle que de... Bon, il a beaucoup parlé. Et c'est vrai que tout le monde était fasciné par... on l'a pas regardé, on l'a écouté. Il va être furieux. Un échec. Il faut réhabiliter le corps chez Godard. Et pas le... Bon, après, on retombe dans des dichotomies un peu chiantes aussi. Le corps et l'esprit, blablabla. Donc, il faut quand même se méfier de ça. Je sais pas. C'est vraiment la question de. Je crois qu'on l'a plus. Les gens l'ont plus entendu parler qu'on n'a vu ses films. Il le dit souvent ça. Les gens l'ont plus. Il est devenu Godard. Il est devenu cette chose inouïe dans le. D'abord dans le cinéma, ensuite dans les arts, il est très important pour moi, pour l'art visuel, par exemple. Beaucoup de gens, mes amis artistes, sont très influencés aussi par lui. Et donc, je pense qu'il y a une... Mais il le disait tout le temps. Il disait que c'était Godard avant ses films. Et donc, il le savait, je crois. Il le savait. C'est hyper bizarre de parler au passé comme ça, mais... Non, mais juste par rapport à ça, j'ai mis la réflexion, hein, mais je vais en faire qu'une seule. C'est aussi, à mon avis, une histoire d'un combat face à un cinéma et une pratique de l'art en général qui dépasse le cinéma, mais qui est foncièrement hégémonique. Et je pense que on a un peu tendance à oublier, disons ma génération, à quel point il n'en a pas toujours été ainsi aussi, en fait, que le cinéma dominant, le cinéma qui fasse des millions de vues, des millions d'entrées, qu'on parle des réalisateurs plutôt que des films. La notion de la politique des auteurs, elle vient tard, et en fait, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, c'est important de rappeler aussi qu'en fait, ces films-là, moi j'ai souvent constaté à quel point il était difficile auprès de mes amis, etc., de montrer à quel point Godard était de notre côté, pensait la même chose que nous, que mes amis, mais ils ne le voyaient pas, en fait. Parce que c'était compliqué de voir ce film-là. Pourquoi c'est compliqué de voir ces films-là ? Parce qu'effectivement, il n'y a qu'à allumer la télévision, il n'y a qu'à aller à l'UGC des Halles, et en fait, on voit qu'effectivement, ben, aller voir tous les films des Halles et aller voir un film de Godard après. Mais en fait, vous ne comprenez rien, parce que
parce que ça demande une attention qui est autre, qui n'est pas du tout celle de l'économie générale des médias et de l'audiovisuel de notre époque, quoi. Et donc voilà, il y a un avis, c'est cette importance aussi d'une manière qui serait contre-hégémonique et qui pose des problèmes dans le spectacle vivant, puisque ben, il y a la question de l'économie. Déjà, une troupe ne peut pas être à 5 endroits en même temps. Il y a une différence entre remplir 50 salles, enfin 50 places, et puis en remplir 500. Et puis ben, même pour le cinéma, se pose cette question-là, parce que en fait, on voit que la distribution est profondément inégalitaire, ce qui n'a pas non plus toujours été le cas à ce point. Donc voilà. Je ne saurais mieux dire. Merci beaucoup. Totalement, totalement, totalement. Et peut-être aussi ce qui vraiment c'est évidemment intéressant, et que on voit très bien que dans les formes, on va dire les plus formatées ou dominantes, que les gestes vont de soi, et que par exemple dans un film de Godard, un geste est un événement, une création. Il y a par exemple, je pense là à quelque chose qui est peut-être un peu trop caricatural, mais d'une opposition entre un naturalisme et quelque chose qui ne le serait pas. Voilà. Enfin, c'est juste pour poursuivre. Je trouve sur cette idée que voilà, dans les formes dominantes, on ne remarque pas les gestes. On ne remarque pas qu'ils sont des créations. Je veux dire, en tout cas dans la fiction. Peut-être que dans le documentaire, ce serait autre chose. Les gestes iraient d'eux-mêmes, de soi. Oui, parce qu'il, lui aussi, il interroge tout le temps. Il nous interroge tout le temps sur ce qu'on voit. Il n'essaie pas de nous faire croire du tout. Enfin, ça, on n'a pas du tout parlé de ça, mais ça a été ultra important pour moi, ça, quand j'ai compris, en voyant ces films, que j'étais tout le temps... conscient, moi. C'est-à-dire que j'étais jamais hypnotisé. Or, Hollywood, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu dois oublier la machine à rêve, blablabla. Lui, à chaque fois, je me rappelle d'ailleurs d'une sensation physique, c'est que j'oubliais jamais quand je l'ai vu dans... Ben oui, quand j'étais cinéphile, après j'ai arrêté d'être cinéphile, mais quand j'étais cinéphile de 20 à 28 ans, quand j'allais voir les films de Godard, je m'apercevais que je sentais toujours le dossier dans mon dos. J'oubliais pas que j'étais assis au cinéma. Et ensuite, c'est ce que j'ai voulu faire avec mon travail aussi, de jamais... bon, voilà, c'est la question de la société du spectacle, le grand divertissement. C'est pas... Lui, le problème qu'il a, et moi, j'ai un peu peut-être le même problème. Je ne veux pas me comparer, mais... C'est qu'il est un artiste dans une industrie du divertissement. Et moi, la danse, historiquement quand même, lourdement, c'est quand même... Ça va être un peu léger et ça doit être sympathique. Il va y avoir de la musique et des gens qui bougent. Et oui, mais non. Il y a la question de l'art qui n'est pas la... Où on est, enfin, lui comme moi, à des degrés différents, on est en porte-à-faux avec le mot que tu utilisais d'hégémonie, de pensée hégémonique. Ça c'est assez clair. Bonjour, vous venez de parler de la musique justement. On voit cette scène assez rigolote dans le documentaire où, sur les cassettes entre Mozart et Léo Ferré, il est un peu paniqué parce que ça crée pas du tout la même. Enfin, ça sert pas son propos. On voit, du coup, on a parlé pas mal. Enfin, vous avez parlé pas mal du langage, des images, des superpositions, du fondu. On rajoute aussi la musique, on l'a assez peu évoqué dans la discussion. Quel est, vous, votre rapport à la musique? Parce que vous utilisez le langage. Mais est-ce que
La musique, vous l'utilisez parce que finalement, on a en tête, en base chorégraphique, que la musique guide le mouvement. Ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous vous affranchissez? Et les choix de musique, est-ce qu'elles servent finalement cette intensité dramatique? Alors, la question de la musique avec la danse, elle est un peu compliquée. Normalement, historiquement, de la musique savante occidentale, qui commence avec la création de l'Académie royale de danse par Louis XIV en 1766, je crois. En 1666, 17e. Donc, à partir de là, les danseurs qui étaient, on dansait tous. Il n'y avait pas de danseurs professionnels. Il va y avoir une danse professionnelle. Et il va y avoir, de cette Académie royale de danse, va naître le ballet de l'Opéra de Paris, qu'on a toujours là, pas très loin. Et là, la tradition, c'est de... Il y a le compositeur et on écrit sur la musique. Et après la guerre, en fait, il y a des chorégraphes, surtout aux États-Unis, qui vont remettre en question ces choses-là et qui vont dire la danse doit s'émanciper de la musique. Et nous allons demander à un compositeur de composer à partir des mouvements qu'on a fait, donc inverser le rapport, ou de faire ce qu'on veut. Et le grand geste le plus célèbre, c'est celui de John Cage et de Merce Cunningham. John Cage est cet expérimentateur de musique qui vont décider ensemble qu'il n'y ait pas de relation entre la danse et la musique ou qu'elle se fasse sur le moment, c'est-à-dire qu'ils décident de faire une pièce, ils tirent au yi-king parce qu'ils ne veulent même pas décider, donc ils laissent le hasard faire. Ils tirent au yi-king la durée de la pièce, et par exemple, ça tombe sur 22 minutes. Le chorégraphe va travailler avec les danseurs dans le studio et John Cage va travailler avec les musiciens ou whatever, avec des champignons ou des cactus, ou peu importe. Et le jour de la première, ils mettent les deux choses ensemble. Les danseurs n'ont jamais entendu la musique. Donc ça, c'était une des choses les plus radicales qui se soit faites et qui était littéralement un geste de... critique, hein, du ballet et de ça, et les deux choses, et voyons ce qui se passe, aussi pareil que ce que vient de nous dire Godard, voyons ce qui se passe, il va se produire sans doute des choses plus intéressantes que si on les décide avant, hein, voilà, pas faire de scénario, ouais, tiens c'est ça, la musique, ben, la musique c'était le scénario de la danse, je viens de découvrir ça cet après-midi. Et ensuite, pour ma part, c'est plus compliqué. Je l'utilise que comme signe. Musique classique, mais je la choisis jamais pour mes goûts. Je la choisis pour le sens qu'elle a. Et par exemple, j'ai fait toute une pièce sur des musiques pop, des chansons pop très connues, et je n'utilisais que le titre du refrain était le texte de la pièce. Ça s'appelait « The Show Must Go On ». Et si, par exemple, on utilisait cette horrible chanson de David Bowie qui s'appelle « Let's Dance », et quand on entendait « Let's Dance », les gens se mettaient à danser. Donc, un rapport qu'on va qualifier de conceptuel. Et là, je reviens au film... parce qu'au moment où il dit j'ai trouvé ce disque de Mozart dans un aéroport et on l'entend, là c'est encore, il a été très analytique juste avant et tout d'un coup il envoie la musique de Mozart et là c'est littéralement lyrique, hein. Donc toujours rapprocher, de mettre deux choses, même lui il le fait, c'est son état, quoi, hein, de discourir sur le cinéma de manière critique et ensuite de mettre une chose, Mozart, lyrique, disons-le. Donc encore cet écart toujours des choses très éloignées qu'il met à côté, et moi qui me renverse, quoi, tout d'un coup je passe à
un autre état physique, mental, quand j'entends cette musique. Et ça et je la, et d'une certaine manière, elle m'émeut encore plus que si on m'avait dit tu vas écouter Mozart ce soir à Pleyel. Parce que je m'y attends pas. Je vais voir un film de guerre et tout d'un coup. Ouais. Bah, le truc de la musique, c'est vachement bien aussi. Ouais. Ce qu'il a, comment il. L'histoire, c'est qu'il y a un éditeur qui aimait beaucoup ses films et qui lui a donné de musique contemporaine, qui lui a donné tous les droits. Et il peut se servir dans tout ce qu'il veut. Il prend une seconde, ce qui est absolument interdit. Personne ne fait ça. C'est interdit de prendre une seconde de musique. Juste un boum. Mais ça, c'est, et aussi, il a utilisé ça. C'est parce qu'il y avait cet éditeur qui lui a dit moi, j'adore ce que tu fais. Fais ce que tu veux avec ça. C'est moi qui ai les droits. Et donc, ça a donné des films hallucinants dans les années 80, hein, où la musique, le son est. Dément. Mais sans respect pour la construction de l'œuvre musicale ou de l'artiste-auteur. Mais c'est ça le montage aussi, c'est ne pas avoir de respect pour les morceaux qu'on associe. Absolument, mais je vous assure que moi, quand je fais ça, je dois appeler des avocats à travers le monde pour avoir les droits et les choses comme ça. Parce que lui, il a eu vraiment des soutiens. Je ne sais pas d'ailleurs, l'histoire du cinéma, par exemple, comment il a pu faire ça ? Il y a peut-être le droit de citation. Ouais, eh ben, nous en danse, moi j'ai failli aller devant les tribunaux pour avoir le droit de citation parce qu'il n'existe pas. Il existe en littérature 12 lignes de Duras, vous faites ce que vous voulez, vous les mettez partout où vous voulez. 3 mesures de musique, vous les mettez partout. Et moi, je voulais citer, faire un montage de danse que j'aimais beaucoup, qui n'était pas de moi. Et je n'ai pas eu le droit. Et ensuite, on a dit, il n'y a pas de droit, mais il fallait écrire la loi. Parce que j'avais d'autres choses à faire. Non, mais c'est un peu con, là, mais ça aurait été chouette. Mais, d'avoir au moins dire, une minute de mouvement. J'ai tout le monde... qui est une chose magnifique, le droit de citation. C'est une chose extraordinaire. Tout le monde, ça appartient à tout le monde. Comme le droit, d'ailleurs, de... Comment on appelle ça ? Au bout de 70 ans et 90 ans, toute œuvre littéraire, musicale, revient à tout le monde. Au domaine public, qui est une chose tellement bouleversante, si on y pense, que ça nous revienne à tous. Mais pendant un certain temps, et Pépette reste dans la famille. C'est ça. Bon, c'était une idée française de Beaumarchais pour soutenir, qui était lui-même auteur, pour soutenir les auteurs qui, par exemple de théâtre, qui, une fois qu'ils avaient écrit leur pièce, ne gagnaient rien. Donc moi, j'en profite beaucoup aussi. Par exemple, ce soir, il y a un spectacle à Lima. Et je gagne de l'argent. Alors que je suis à vous parler. Ouais. Une question ? Vous avez dit... Excuse-moi deux secondes, je sais pas. Il y a tout qui me revient comme ça, donc c'est un peu bizarre. Mais lui a dit, regardez tous mes films, faites ce que vous en voulez. Hein. Il n'a pas essayé de garder. Bon, juste pour ça, pour... Non, il n'y a pas de souci. Non, juste, vous avez dit que vous n'aviez pas assez confiance dans la danse pour vous passer du langage. Et en même temps, dans le film, il nous parle de voir le scénario, etc. Mais en même temps, on a parlé du non-verbal et du sensoriel, mais il ne fait que de parler. Oui. Et de faire des jeux de mots et de jouer avec les mots et de dire note de musique. Et du coup, en fait, vous n'êtes pas si loin de lui. Hein. Faut pas pleurer. J'ai quoi ? Vous n'êtes pas si loin de Godard, finalement. Oui. Non, moi, c'est ce qui énerve beaucoup de gens. Si je parle plus que je ne danse, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on...
qu'on ne doit pas être assigné à une pratique. Ça, c'est vraiment tout ce que les écoles peuvent vous dire, je ne sais pas quoi, ça, c'est l'enfer, quoi. Et on voit plein de... On voit plein de spectacles de danse où les gens... J'ai l'impression qu'ils jouent à danser. Où on voit des films qui jouent à faire du cinéma. Ou des actrices qui jouent comme au théâtre. Ou qui, à la place d'essayer de saisir la vie, la réalité. Et ça, c'est ce que certains essaient de ne pas faire, quoi. C'est ça la différence entre, je sais pas quoi, l'art et, je sais pas quoi, comment appeler l'autre. La pratique, c'est pas une pratique, c'est plus, la pratique est juste le premier, c'est un outil. C'est un outil. Après, c'est ce que je dis qui est peut-être, pas sûr, un peu plus complexe que ça. Moi, ce que je dirais, que c'est ça l'art, quoi. C'est... Ok, il y en a qui savent peindre, il y en a qui savent composer, mais on s'en tamponne. Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui ? Je voulais vous demander, qu'est-ce que pour vous une pièce chorégraphique documentaire ? Elle doit. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué parce que dès qu'on est dans une scène de théâtre, moi j'ai beaucoup poussé ça. C'est-à-dire, par exemple, donc il y a cette chose que vous pouvez voir qui est sur YouTube, qui est la pièce à laquelle je me référais, qui s'appelle Véronique Doisneau, que j'ai fait à l'Opéra de Paris. Comme elle fait d'ailleurs exactement la même chose que là, elle arrive sur scène, habillée en un truc de répétition, donc déjà, et elle dit « Bonsoir, je m'appelle Véronique Doisneau ». Et il fait exactement la même chose, là. Alors qu'il sait très bien que c'est pas bonsoir, parce que ça dépend à quel... Et donc, déjà, c'est casser l'illusionnisme. Dire son vrai nom. Ça, c'est des stratégies. Après, tout le monde peut penser que c'est... Évidemment, au théâtre, on croit que tout est mis en scène. C'est vrai que c'était mis en scène. Donc j'ai poussé les choses un peu plus loin avec le documentaire en travaillant avec, par exemple, des handicapés mentaux. Donc ça me permettait d'échapper au contrôle que la fiction requiert. La fiction, c'est la mise en scène du réel, qu'on peut répéter, reproduire. Et le documentaire, ça va être... au théâtre, c'est difficile à faire, mais les handicapés mentaux faisaient... On sentait que ce qui se passait... Ils n'avaient pas intégré les règles, toutes les règles du théâtre, et donc, il se produisait des choses totalement non décidées sur scène. Ils se mettaient à pleurer, par exemple, parce que tout d'un coup, quelque chose les faisait pleurer, et c'était pas prévu. Et c'était moi, j'avais prévu que ça, c'était possible. Donc, il y a quand même une mise en scène, mais une mise en scène qui se retire le plus possible et que je qualifiais de cadre. Je faisais juste un cadre, je les mettais dans un cadre et là pouvait se passer ce qu'il... il pouvait se passer le réel et le présent. Et les handicapés mentaux étaient tout à fait dans le présent. Donc j'ai profité de ça et ensuite j'ai beaucoup travaillé avec des amateurs à qui j'ai demandé de faire des choses très compliquées. Et les amateurs n'y arrivaient pas, et tombaient, donc de l'accident, donc du réel. Et ça, par contre, immédiatement,
on sait si c'est faux. On peut tout à fait reconnaître un acteur qui tombe et voir comme s'il le fait bien ou pas, mais et tout le monde est capable de faire la différence entre un acteur qui tombe bien et quelqu'un qui tombe vraiment. Comme par exemple, aucun acteur n'arrive à se réveiller. On sent toujours que c'est faux. J'aimerais bien savoir s'il y a des cinéastes qui ont dit « Tu vas dormir et quand tu te réveilles, je te filmerai. » Parce que ça, ça serait la solution. Il y a les films de Pierre Hicks. Andy Warhol, ouais, ouais, mais il dort. Il y a l'enfant dans le film de Tarkovsky, le miroir. Ah ouais, et il se réveille vraiment ? Oui. Ah super. Bon, bah, Tarkovsky, voilà. Mais... on va chercher... Donc, il y a ouais, les films... ouais, 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 exactement. Pardon ? Il y a les réveils de Pierrick Sorin, où il, le, ah, ouais, ouais, son ouais. réveil actionne la caméra, ouais, et, ouais. et donc on le... C'est aussi hein, sur cette grande chaîne Absolument. De cinéma qui est YouTube, et c'est aussi une des choses les plus drôles, quand même, je crois, que, qui puisse être vue, les réveils de Pierrick Sorin. Voilà. C'était génial, cette pièce. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il faisait ? C'était juste ça. Oh merde, j'aurais dû me coucher plus tôt. Voilà. Ah oui, et à chaque fois, il dit ah, je crevais là, bah, ce soir, je me couche tôt. Il est toujours hyper déçu à son réveil. Non. Ah oui, oui, c'est excellent ce truc. Ouais. Voilà. Ah oui. Bah et... voilà, mais ça, c'est les gens. Vous voyez, c'est pas le cinéma, c'est plutôt les artistes plastiques qui s'emparent du cinéma et qui le poussent dans ces retranchements. Voilà. Absolument, oui, tout à fait. Cette différence, c'est celle que recherche. Le documentaire. Ah, mais absolument. Voilà. Hein? Absolument. Donc, dans le documentaire, on ne demande jamais à quelqu'un de faire quelque chose. Ce n'est pas que ça ne soit pas éthique. Absolument. Éventuellement, ce n'est pas éthique. C'est surtout idiot. Et c'est pour ça que le documentaire est une partie supérieure du cinéma en général. Moi, j'en suis sûr. Il n'y a que ça qui est le... Au bout d'un moment, et, enfin, surtout aujourd'hui, quand on a été cinéphile et qu'on a cru, jeune, qu'il y avait... plein de merveilleux films et qu'en vieillissant, ça va être... Bah, ah oui, c'était quand j'ai commencé à être cinéphile, il y avait des films depuis... ouais, attends, moi, je commence à regarder, à voir des films dans les années 80, mais je vois donc 80 années de cinéma. Et puis, en vieillissant, j'attends toujours la même intensité et je la trouve pas parce que je vis dans le présent à ce moment-là, avec les films qui se font. Et quoi, je vais quoi, 3 fois au cinéma par... parents maintenant pour voir je suis allé voir Welfare par exemple Welfare qui dit non c'est pas vrai ça dure 3 heures je vais pas tenir dans ce truc en noir et blanc à l'assistante sociale à New York et puis c'est la chose la plus incroyable, inouï, qu'on puisse voir, que j'ai vu depuis très très longtemps. Parce que le réel est toujours plus fort que la fiction. Donc moi, au théâtre, je sais que ça va être beaucoup plus fort si j'arrive à faire du documentaire sur... si j'arrive à produire sur l'endroit même de la fiction qui est le théâtre... que tout le monde a accepté, culturellement, tout le monde sait à peu près ce que c'est, et qui se passe... Là, ça fait 2 heures que je parle, personne n'a réagi, et là, je vais tomber le truc, tout le monde saute au plafond, pratiquement. Bon, ben voilà. Fait des événements réels. Tout ce que j'ai dit n'est pas réel, finalement. Par contre, ça, c'était réel. Et donc, ça, je tente de le faire avec la danse. Et parce que j'ai vu beaucoup de spectacles de danse et que j'ai vu tout d'un coup quand... J'ai vu à l'Opéra de Paris. Mais je déteste le ballet, hein, c'est parce que j'ai dû travailler à l'Opéra de Paris. N'allez pas voir le ballet, ça n'a aucun intérêt. Mais à un moment, comme j'étais invité à l'Opéra de Paris, je suis allé voir beaucoup de... Comme je ne connaissais rien, parce que je détestais le ballet, c'est la tradition, hein, y a, bon, il m'invite, je dis, bon, il faut quand même que je regarde un petit peu. Et puis, en fait, c'est là que j'ai compris que même s'il y avait des ruptures, si la modernité s'était fait contre le ballet en danse, quand même, il y avait plein de choses qu'elle n'avait pas tout à fait remis en cause. Et donc, on a des
encore des grosses casseroles. Et donc, je suis allé voir le théâtre Paris. Et puis, il y a un moment dans un ballet qui s'appelle Bayadère, je crois, un truc atroce qui dure 3 heures. Il y a l'idole dorée qui arrive. Et donc, c'est un type tout recouvert de peinture dorée, avec une petite couronne dorée, un petit slip doré. Et il est tout dans ses cartes comme ça. Et on comprend. Et en plus, il s'appelle l'idole dorée. Donc. Et il danse, ta ta ta, ta pam, 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 des trucs très compliqués. Puis à un moment, qu'on appelle tour en l'air, tu dois t'élever comme ça, tourner, revenir. Et il redescend par terre, il fait. Il continue, ta 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 ta. Et à la fin, dans cette tradition un peu ringarde de trucs, ils viennent, où la fiction s'interrompt avec les saluts, il vient saluer le public. Et le type s'est planté, et tout le monde l'a vu, on a tous vu qu'il se plantait. C'est lui qui a eu le plus d'applaudissements. Et donc, attendez, mais on a payé, enfin moi j'étais invité. Vous avez payé beaucoup d'argent pour voir quelque chose de bien, et là c'est mal fait quand même. Il est littéralement tombé. Et là, ah oui, mais alors, là, tout change. En fait, tout ce qu'on nous dit, qu'on va avoir quelque chose de parfait, en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Et là, je ne sais plus comment je suis tombé sur Heiner Müller, dramaturge est-allemand, qui dit « on va au théâtre pour voir les gens mourir ». Sous-entendu, dans l'espoir de voir ce qu'on ne devrait pas voir, qui est la mort. Et finalement, ce petit à-coup de ce danseur était symbolique de sa mort. Enfin, littéralement, elle est morte, parce que la fiction est morte. C'était plus l'idole dorée, c'était la catastrophe dorée. Et ça, c'était, par contre, c'est amusant qu'on en arrive à là, parce que c'est à partir de cette réflexion que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire au théâtre j'ai compris que malgré la pauvreté du théâtre par rapport à la puissance du média cinéma, j'ai compris que le théâtre était l'endroit où ça était encore possible. La faillite, l'échec et cette mort, qu'elle soit. Or, on ne verra jamais ça au cinéma. Ah, par contre, on en verra plein. Ça n'arrête pas, mais c'est pas la vérité. C'est pas vrai. Alors qu'au théâtre, oui. Et donc, à ce moment-là, parce que moi, je me suis vraiment posé la question au début, quand j'ai commencé en 90. Il y avait Internet était en train de montrer le bout de son nez. Il y avait évidemment le cinéma depuis un moment. Et je me suis dit, comment continuer à travailler avec une forme aussi archaïque que le cinéma? Archaïque, puisqu'il a que. Il a pas mal d'années. Il a 2500 ans, le théâtre occidental, hein, j'entends donc grec, dont j'hérite. Et je m'étais vraiment posé la question quand j'ai décidé de travailler, d'essayer de faire quelque chose dans ce champ-là. Et je me disais, mais on n'a rien, nous, on est pauvres. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'on avait le présent, donc le vivant, donc le mort. On dirait du Godard, là. Et j'ai tout axé beaucoup sur ce principe-là qu'il fallait voir le réel. Et donc, finalement, là, je retombe sur mes pieds, je crois, peut-être pas, à votre question documentaire. Quoi. Des documentaires sur la danse, toujours. Et ça me... Oui, je ne l'avais jamais pensé en termes de documentaire, mais plutôt de réel. De faire intervenir le réel. Puisque le reste des représentations dominantes, hégémoniques, le mot que vous avez amené tout à l'heure, elles étaient l'inverse, elles étaient la maîtrise. S'il y avait une chance pour le théâtre, c'était qu'il soit faillible. Imparfait.
qui manquait aux représentations. Bon. Ah, une question encore. Attention, vous êtes enregistré par le centre Pompidou. Tout sera. Godard, dans son film, était allé voir dans l'usine les ouvrières. Si vous faites un travail sur le théâtre documentaire ou la danse documentaire, est-ce que vous avez un travail sur le réel aussi? Est-ce que vous allez voir? Ouais, absolument. Absolument, je fais un travail documentaire, c'est-à-dire que je passe du temps avec le danseur qui va par exemple raconter sa vie, puisque j'ai fait toute une série de portraits, et je passe du temps et je leur pose des questions comme un reporter, enfin oui, comme un documentariste. Et à partir de ça, quand même, je monte. Ah, oh, pétard. Eh bien, voilà. Donc, je fais du montage quand même. Je fais du montage. On produit dans l'espace. Et ensuite, moi, je monte. J'enlève. Cette chose-là me semble... Et je cherche. Est-ce que tout ce que cette personne va me dire, par exemple... va faire un sens, et je cherche le sens de cette vie, hein, parce qu'elles racontent leur vie à travers leur travail, et souvent, par exemple à l'Opéra de Paris, les humiliations continuelles. Hein. Comme il dit, les prolétaires, puisqu'elle, la danseuse, elle n'est pas une étoile, et donc j'ai dû me... Quand je décide à l'Opéra de Paris de faire un solo sur une danseuse qui va raconter sa vie, donc qui va être le documentaire sur une danseuse de l'Opéra de Paris, la directrice me dit « Ah, mais c'est une idée formidable, voici les étoiles. » Et je n'avais pas réfléchi, et je dis « Non, je veux la plus mauvaise danseuse de l'Opéra de Paris. » Et là, elle me dit « Je ne veux plus vous voir. Il est hors de question qu'on donne un solo à la plus mauvaise danseuse de l'Opéra de Paris. » Et j'y dis « Bah, tant pis. Bye bye. » Et elle me rappelle qu'un jour après, la directrice, la productrice finalement, et elle me dit, écoutez, j'ai réfléchi, que penseriez-vous de quelqu'un au milieu de la hiérarchie? Et c'était vachement mieux que mon idée. C'était pas la pire, pas la meilleure, mais comme ce truc, je sais pas si il y a ça dans Godard, mais le moyen, les gens qui vivent normalement, quoi, qui... et donc je suis revenu et j'ai trouvé cette danseuse et elle raconte, elle n'est pas le prolétariat, mais elle est quand même, elle se décrit comme des corps humains sur la scène de l'Opéra de Paris. C'est chouette pour une danseuse quand même d'être, dans certains ballets, elle est un décor humain. Quelle était la question? Oui, donc je passe beaucoup de temps et ça c'est fantastique et j'adore ça. J'ai adoré ça, parce que normalement, ce qu'on attend de moi, c'est de trahir ma subjectivité. L'artiste, aujourd'hui, c'est le seul, pratiquement, dans la société à qui on autorise et à qui on autorise et même on demande de trahir sa subjectivité. Et donc, quand vous devenez, moi, en l'occurrence, chorégraphe ou artiste, on peut toujours... Parler de soi, chercher en soi. Et tout d'un coup, le documentaire, ça veut dire l'altérité, ça veut dire regarder quelqu'un d'autre et lui dire qu'est-ce que tu fais. Et donc, moi, ça a été une joie profonde. Et j'ai appelé toujours ça, ces pièces, je les ai appelées des vacances, parce que c'est des vacances de moi-même. Et je dois respecter ce qu'elle me dit, même si elle me dit ou il me dit des conneries. Je ne suis pas du tout d'accord. Et ça, c'est une grande leçon pour vivre, quoi. Puisque, en plus, quand vous devenez de plus en plus connu, vous êtes encore de plus en plus poussé vers vous-même. Qui es-tu, toi? On te connaît. Tu deviens plus important que...
que tes pièces. Et c'est vrai que le documentaire, ça, c'est une grande joie. Là, je pars en Allemagne montrer une que j'ai fait à Shanghai, en visio, parce que comme je, pour des raisons écologiques, je prends plus l'avion, mais bon, il y avait la Covid aussi, j'aurais pu y aller en train, mais bon, il y a eu la guerre en Ukraine, bon, bref, j'ai pas pu partir, et on fait un... Elle raconte, et en plus, elle est sur un écran maintenant, donc c'est le documentaire, et carrément... elle raconte sa vie depuis Shanghai, il est 3h du matin quand on joue en Europe, vers 20h, et elle raconte sa vie, et surtout, on est dans son appart. Et ça, j'avais absolument pas, mais alors pas soupçonné une seconde la puissance de ça. Normalement, on est sur la scène du théâtre, qui est un objet neutre, une architecture le plus neutre possible, ce qu'on appelle la boîte noire. À partir de cette architecture minimale, on peut créer des univers, un château pour Hamlet, un machin pour les trois sœurs, une datcha pour les trois sœurs, whatever. Et là, elle est très très loin parce qu'elle est à 12 000 km et en même temps, elle est dans sa, dans son appartement. Et je n'avais pas imaginé que ça serait aussi puissant pour les spectateurs d'être, de voir... Après, la vie avec six chats, donc les chats vont tout un barouf derrière, quand ça leur prend, quand ils veulent, documentaire, le réel. Et tout d'un coup, là, je comprends qu'avec l'écran, il y a quelque chose qui se joue. Et ça, si vous voulez, ça redéfinit le fait qu'elle soit à Shanghai, dans son appartement. Le théâtre, l'ontologie du théâtre, c'est le « ici et maintenant ». Ce qui n'est pas celui du film et ni non plus du documentaire. Parce que le documentaire, ouais, c'est ni ici et ni maintenant. Donc le théâtre, sa force, enfin, sa puissance, disons, mais force, c'est pas bon mot, mais ses possibilités, ça vient de ici et maintenant. Et là, en voyant cette danseuse à Shanghai, qui danse dans son appartement, qui raconte des choses sur son travail, on est ailleurs et maintenant. Et après, les gens peuvent me dire, c'est pas du théâtre. Oui, c'est vrai. Et je dis, oui, mais j'ai changé l'ontologie du théâtre. Bon, voilà, c'est des trucs, quoi. Et voilà, et on part en tournée, ça marche super bien et tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'était excitant quoi quand j'ai compris ça. Comme vous voyez cette espèce, enfin bon, moi c'est ça qui me fascine, enfin qui me plaît beaucoup et sans doute c'était possible grâce à d'analyser une manière d'analyser sa propre pratique. C'est pour ça que j'ai dit j'ai pas confiance. Il faut pas avoir confiance. Il ne faut pas avoir confiance dans ce qu'on sait, dans ce qu'on fait. Il faut toujours essayer de le défaire, de lui poser plein de questions, ce qu'on fait. Et donc là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Enfin, ça correspondait à une nécessité. Je ne pouvais pas aller à Shanghai. C'était, enfin, il y a eu plusieurs éléments. Hein. C'est vrai que j'ai été poussé le lockdown. Et donc, j'ai dit, bah, tant pis, on va faire comme ça. Tu seras en écran. Et on a fait ça à Pompidou. Parce que c'était à Pompidou, Shanghai. Ah, là, c'est ça. Ah oui, non, ça, c'est, enfin, je sais pas, c'est intéressant. C'était une commande de Pompidou. J'en parle là parce que... Voilà. C'était une commande de Pompidou. Elle le fait en live d'abord au centre Pompidou. Et je me dis, elle me montre par webcam la salle du centre Pompidou à Shanghai. Et je me dis, putain, c'est la même qu'à Paris. Et c'est comme ça que j'ai l'idée. Je dis, mais il faut te faire venir à Paris sans que tu voyages, puisqu'il ne faut pas prendre l'avion. Bon, ça, c'est notre truc.
Eh bien, on va le faire. Et donc, Pompidou n'a pas pu dire non. C'était tellement bien ficelé comme truc. Vous m'avez fait une commande à Shanghai et je la ramène, mais comme je n'utilise pas l'avion et qu'on a des problèmes pour voyager, puisque le Covid revenait, repartait, tout d'un coup c'était fermé. En Chine, c'était en plus hyper fort. Et donc, ils ont dit OK. Et on a réussi à expérimenter ça. Et maintenant, je vais jouer à Berlin, à Leipzig et à Iéna la semaine prochaine. Donc, on a trouvé un truc qui... Voilà, il se passe quelque chose, quoi. Ça pose une question. C'est pas du théâtre, c'est vrai. C'est pas de la danse non plus. C'est pas du cinéma non plus. Et en parlant avec à Londres avec une chercheuse, elle me dit « Ah oui, mais c'est du théâtre hybride. » Bon, ok, je fais du théâtre hybride. Elle cherchait déjà, elle avait vu bon, des chercheurs, des gens de l'université, qui, voilà, c'est très bien, j'invente rien, hein, je sais pas. Et j'étais là, ah ouais, c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on a fait, on ne savait pas que c'était du théâtre hybride. Et c'est super, un mot hybride, c'est super. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de questions. Mais si vous en avez, je suis là encore. Bon, dans le film, il a parlé de la page blanche, mais comment est-ce que vous commencez la chorégraphie ? Je ne sais toujours pas répondre. Je n'arrive jamais à me rappeler de la première idée. C'est une chose qui m'angoisse énormément, puisque vous avez compris que j'essaie d'analyser, de comprendre ce que je fais, d'avoir une réflexion sur comment produire de l'art, blablabla. Et il y a un instant qui m'échappe toujours, c'est le premier geste, j'allais dire, mais qui est en général pour moi écrire sur l'ordinateur quelque chose. Ou parler à mes producteurs de quelque chose. Mais cet instant-là est sans doute le plus mystérieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit une idée, quoi ? Qu'est-ce qui produit un désir ? Et cette idée, elle vient d'un désir, et je sais que c'est ce mécanisme-là, mais je ne sais pas d'où elle vient. Je suis désolé. Il faut que je sèche. Non, il faut que j'apprenne, il faut que je sèche. Là, il ne le dit pas. Hein. Est-ce qu'on sait la première... Il le dit un peu. Il dit, enfin, moi je l'ai noté parce que j'étais surprise par la réflexion. Il dit, c'est un peu un travail de comptable. On a une femme, on a trois choses, et après il arrive à faire le lien entre ces trois choses, la baigneuse, et ouais, c'est comme ouais, ça. Non, il dit au final. Hilarant, la question de l'équipement. Bon, ça vient de l'écriture et de voir. Non, je crois qu'il dit, je veux voir au début. Je veux voir, et le problème c'est qu'il faut un scénario. Donc, l'invention de l'écriture, c'est 3 kilos de patates, 1,5 kilo de prunes et tout ça. Et là, il glisse doucement sur l'administrateur du film en disant bah, « c'est ça un scénario, c'est... » Non, ça c'est un mot. Ah oui, la plage. Mais ça, moi, j'ai toujours pas compris la plage. Et là, exactement. Il dit la page blanche. Ah, la plage blanche, donc on la voit, moi je l'ai vue ensoleillée comme ça, une lumière dit éblouissante, n'est-ce pas ? Et ensuite ça revient à la fin, une vague, et on ne sait pas très bien, là c'est quand même... C'est ça. C'est vraiment...
c'est ça, c'est la vague et la vague et la plage. Je n'ai pas la plage, mais à un moment, il dit, parce qu'il le reprend à la fin, je n'ai pas la plage, mais j'ai la vague. Ou même quand Anna Chigoula est une vague, il dit, elle est une vague. Il dit qu'il a une idée vague. Ah, ben voilà. Alors, voilà, c'est ça. Et après, si je, enfin, ah, c'est vrai que il fait apparaître, il dit, c'est la région centrale. Et il fait apparaître un extrait du film de Michael Snow, La région centrale, qui est de, la région centrale, le film de Michael Snow, qu'il fait apparaître sur l'écran blanc, et c'est de l'eau, pas de la vague, pas des vagues, mais de l'eau. Hein. Ah, moi j'ai pas cette référence. C'est aussi. On est le propre monteur des films de Godard, hein, je crois. Ouais. On ne peut pas tout prendre en note. Non, mais il y a une telle richesse. C'est pour ça qu'on peut le regarder. Enfin, et c'est aussi pour ça que peu de gens le voient. C'est tellement. Enfin, par rapport à vos amis qui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et par rapport à la bêtise qu'on voit, des idées d'une simplicité. C'est génial. C'est super. Ah ouais, c'est une beauté infinie, ça. La plage, la vague. Et donc, Michael Snow, c'est la. Ok. Voilà. Donc, alors, ça, c'est la réponse. C'est-à-dire que c'est des trucs un peu. On ne sait pas très bien, des choses qui vont ensemble, un agrégat un peu inconnu, comme ça, presque d'intuition. Maintenant, j'emploie le mot vachement intuition, que j'emploie jamais. J'ai trouvé. Mais maintenant, je suis obligé de me rendre à ça, que j'ai des intuitions, et je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Mais tout d'un coup, en restant seul, je vais petit à petit les rendre tangibles. Et de là, je pourrais parler. Bon. À un producteur en disant je vais faire ça, mais c'est ce dont il parle, comment avoir un scénario pour lui, ou moi discuter avec quelqu'un pour le quand même lui dire 2-3 trucs. Oh, merci beaucoup. Oh non, on a trouvé beaucoup de choses ensemble. On devrait se réunir et faire une. Regardez que le film, et à chaque fois, on est. Non, c'est vrai, parce qu'il faut être à plusieurs, quoi. On a trouvé beaucoup de choses, mais on n'a pas trouvé le fric pour le faire. Et c'est une réponse à ce que vous disiez. Parce que je pense que c'est un peu mythologique, cette opposition d'un cinéma mainstream qui coûterait des millions et d'un petit cinéma qui coûterait rien. Mais trouver 100 000 balles pour faire un film documentaire, c'est aussi difficile que trouver 100 millions pour un grand film d'Hollywood. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence, pour être très sincère, malheureusement. Et j'imagine que pour la chorégraphie, c'est exactement pareil. L'écart n'est pas aussi grand. Nous, il n'y a pas de. Personne ne gagne d'argent. Personne ne gagnera jamais d'argent avec de la chorégraphie, à part Broadway. Oui, ah oui, si, j'ai oublié. Et toujours, ouais. Enfin, j'y pense même pas à Broadway, donc c'est pas. Ouais. Monsieur s'en va, on part avec vous. Ça va? Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Bell. Merci beaucoup d'avoir cherché avec nous. C'était formidable. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour toute autre chose. Voilà, mais c'est ça qui est beau. La séance du 8 novembre ? Oui. Il faudra venir travailler un jour férié. Voilà. Ah oui. Voilà.